Salut tout le monde et bienvenue sur le petit tracé japonais de Tsukuba pour suivre ce nouvel épisode de TrackDay. Aujourd'hui on s'intéresse à une voiture qui a perduré pendant de nombreuses années dans différents championnats de super tourisme, la Seat Leon, introduite en 2005 en WTCC, rappelez-vous, pour remplacer la berline, la Toledo. Et bien cette voiture a remporté bon nombre de championnats, on se rappelle notamment des titres mondiaux acquis par Yvan Muller, Gabriel et Tarquini, notamment à l'époque. Et c'est un modèle plutôt réussi et qui fait un bon son de touring car, donc vraiment le modèle 3D est propre, très propre, il y a très peu de défauts à cette voiture, elle est en développement constant et elle est vraiment très très sympa à piloter. On sent vraiment le comportement du touring car et c'est vrai qu'il existe sur le net, je vous avais présenté plutôt une Chevrolet Cruze dans il y a quelques épisodes et vous aurez bientôt droit à la Chevrolet Lacetti, donc il nous en manque plus qu'une ou deux et on pourra peut-être même refaire un mode WTCC sur Assetto Corsa, ce qui pourrait plutôt être sympa dans les mois à venir. Donc je vous laisse avec quelques plans de cette voiture aux couleurs du pilote belge Pierre-Yves Cortals, bien entendu un petit peu de nationalisme, ça ne fait pas de mal de temps en temps. Bonne émission, bon épisode et montez le son, c'est la tradition.